أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous allons faire le cours numéro 9, الدرس التاسع, et inshallah on va mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui à travers l'étude du texte numéro 1. Et lorsque je serai en train d'expliquer le texte, par moment, si j'ai besoin d'expliquer d'autres règles qu'on n'a pas vues, je m'arrêterai et je présenterai la règle et ensuite on continuera le texte. Alors, on commence par le premier paragraphe. On commence d'abord par lire le titre. Je vous laisse lire avec moi. Qawmu Ibrahima Ya'buduna الأصنام. Je répète. قوم إبراهيم يعبدون الأصنام. Maintenant, on va faire une analyse pour savoir si c'est une phrase verbale, si c'est une phrase nominale. Si c'est nominal, quel est le type de la phrase? On a vu les groupes nominaux, donc les types qu'on peut avoir. Ça va nous aider à comprendre le sens. Si c'est verbal, il faudra qu'on identifie le fa'il, le faiseur, et qu'on identifie le maf'ul bih. C'est vraiment ça que je voudrais qu'on fasse. Et dès que ça sera mis en place et que vous arriverez à identifier ça, ça serait déjà vraiment pas mal. Alors, Qawmu Ibrahima, quel est le type de cette phrase? Parce que là, on a un groupe de mots, donc on a deux mots, Qawmu Ibrahima. Est-ce que Qawmu, ça veut dire quoi? Qawmun, ça veut dire un peuple, donc c'est un nom, c'est pas un verbe. Ibrahim, c'est un prénom. Qawmu Ibrahima, Qawmu Ibrahima. Le premier mot, il n'est pas défini et pourtant il porte pas le tanwin. Ça veut dire en fait qu'il est défini par annexion. Et en fait, Qawm est annexé à Ibrahim. Donc, Qawmu Ibrahim, c'est une phrase, c'est un groupe nominal. Et on a vu que les groupes nominaux, il y a trois types. Il y a annexé, annexant, concordant, concordant et phrase nominale. Et en fait, là, dans ce cas-là, on est dans le cas annexé-annexant. Pour le cas de annexé-annexant, on avait dit que pour traduire, donc il y a deux qui intervient. Donc c'est le peuple de Ibrahim. Donc le peuple d'Ibrahim. Le peuple d'Ibrahim. Il reste une remarque pour ceux qui ont bien suivi les cours précédents. C'est que Ibrahim, normalement, chaque fois, si, lorsqu'on annexe un mot à son propriétaire, le propriétaire, il doit se terminer par une kasra. Logiquement, ça aurait dû faire Qawmu Ibrahimi et pas Ibrahima. En fait, en arabe, il y a des mots qui sont invariables, des mots qui ne subissent pas l'arabe complètement. Ça veut dire qu'il peut prendre la dhamma, Ibrahim peut prendre la dhamma, mais il ne prend jamais la kasra. Les mots invariables en arabe ne prennent jamais la kasra, ils ne prennent pas le tanwin. Les mots invariables en arabe ne prennent pas la kasra, ni le tanwin. Et en fait, là, dans ce cas-là, en fait, c'est une kasra supposée. C'est pas une vraie kasra, mais c'est une kasra qui est supposée. Parce que c'est un invariable. Donc, Qawmu Ibrahima, annexé, annexant, le peuple d'Ibrahim,
Et derrière, ya'buduna. Si vous connaissez la conjugaison, le waw et le nun à la fin, ça fait penser à un verbe. Un verbe qui est conjugué à la troisième personne plurielle au présent. Donc, ya'buduna, on va identifier le verbe. C'est le verbe abada ya'budu. Abada ya'budu. Chaque fois, comme je vous l'ai dit précédemment sur les cours, dans les cours précédents, chaque fois quand on va tomber sur un verbe en arabe, on va essayer de revenir à l'infinitif. Et là, dans ce cas-là, c'est le verbe abada ya'budu. Abada ya'budu, qui veut dire adorer. Adorer, qui veut dire en fait adorer, c'est un verbe qui traduit abada en arabe. Mais adorer, ça veut dire en fait c'est faire un culte à quelque chose. Faire un culte, ça veut dire faire des actes d'adoration, d'actes de soumission. Qawmu Ibrahima ya'buduna mada? Quoi? Qu'est-ce qu'ils adorent? Al-asnama. Al-asnama. Asnam, c'est des statuettes. Là, donc, on a vu qu'il y avait un verbe, donc c'est une phrase verbale. Ça commence par un groupe nominal, un x et un xon. Après, il y a un verbe. Après, il y a un autre nom. Après le verbe, on avait dit, s'il y a une phrase verbale, il faut chercher le faiseur et chercher celui qui subit. Si c'est un verbe transitif. L'asnama, il se termine par une fatha. Il y a des chances, en fait, que c'est celui qui subit. Parce qu'il se termine par une fatha. C'est celui qu'on adore. Et c'est bien le cas. Asnam, c'est ce qui est adoré dans la phrase. Mais il est où le faiseur? Le faiseur, en fait, a été mis en avant. En fait, c'est un faiseur avancé. Parce que je vous ai dit que en arabe, l'ordre normal, c'est de mettre le fi'al, le verbe, ensuite al-fa'il, faiseur, ensuite al-maf'oul bih. Ça, c'est l'ordre général normal. Après, c'est pas interdit de faire avancer le fa'il, le faiseur, comme dans ce cas-là. En fait, le faiseur ici est avancé. Qawmu Ibrahim, c'est le faiseur. Qu'est-ce qu'il fait? Ya'buduna, ils adorent quoi? Quand on se pose la question quoi, derrière il y a un COD, le maf'oul bih. Ya'buduna l'asnama, et c'est pour ça que l'asnama il termine par une fatha. C'est logique, c'est ce qu'on avait dit depuis le début, c'est que le maf'oul bih il est toujours mansoub et se termine par une fatha. On passe maintenant au texte. On va voir la première phrase. Khalaqa Allahu subhanahu wa ta'ala an-nasa. Khalaqa Allahu an-nasa. Khalaqa. Khalaqa, c'est fi'l madi. C'est un verbe au passé. L'infinitif de ce verbe, c'est khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu, c'est un fi'l thulafi, c'est un verbe à trois lettres et ça veut dire créer dans le sens la création. Si je vous pose une question pour réviser un peu ce qu'on a fait, est-ce que vous êtes capable de me donner ism al-fa'il, le nom de faiseur de ce verbe? Et après, le nom de celui qui subit, ism al-maf'oul. Donc, vu que c'est un verbe à trois lettres, la règle c'est quoi? La règle c'est, ism al-fa'il se met sous la forme de fa'ilun, ou le calibre de fa'ilun. Je prolonge la première lettre, je casse la deuxième lettre, je rajoute le tanwin. Donc, je prolonge la première lettre, kha, je casse la deuxième lettre, li.
Je rajoute le tanwin sur la troisième. Qun, khaliqun. Et là, ça veut dire un créateur. Ism al-maf'oul, le nom de celui qui subit, se met sous la forme ou sous le calibre de maf'oulun. Donc je rajoute un mime. Ma, f, la lettre f, c'est la kha. Makh, deuxième lettre, lam, avec un dhamma et un waw. Makhlouqun. Si vous n'êtes pas capable encore de faire ça, c'est vraiment dommage. Et je vous invite vraiment à revoir les cours précédents parce que c'est très très important et il faut que vous sachiez le faire. Khaliqun, makhlouqun. Makhlouq, makhlouq, c'est une créature, tout ce qui a été créé. D'accord. Je passe au deuxième mot. Allahu. Allahu, donc tout le monde sait. Maintenant, en termes de i'rab, Allahu, donc là on a un verbe khalaqa. Allahu, on regarde que Allahu il se termine par une dhamma. Là, c'est que c'est le fa'il. Le fa'il, on avait dit que c'est toujours, il est toujours marfou'. Marfou', je rappelle que marfou' veut dire qu'il se termine par une dhamma. Khalaqa, Allahu. Allahu fa'il marfou'. Mada khalaqa Allahu? An-nasa. An-nasa, nas, les gens. Et ici, on voit bien qu'il se termine par une fatha. Donc c'est bien un maf'oul bih, celui qui subit et qu'il est mansoub, qui se termine par une fatha. An-nas, ça veut dire les gens. Khalaqa Allahu an-nasa. Comment on va traduire? On commence par le faiseur. C'est parce qu'il est apparent. Allah. Et le verbe, il est au passé. Donc, a crié. Quoi? Le COD. Les gens. Allah a crié les gens. Khalaqa Allahu an-nasa. Khalaqa Allahu an-nasa liya'buduhu. Liya'buduhu. Alors dans le titre on a déjà vu ya'buduna. Donc liya'buduhu, il y a dedans le verbe abada et en plus on a rajouté un lam au début et un ha avec un dhamma à la fin. Pour le verbe, il faut reconnaître le temps et la personne à laquelle il est conjugué. Ya'budu, donc on voit que c'est le ya, c'est la troisième personne. Le waw, c'est le pluriel. Il y a le nun qui a été supprimé. En fait, le nun est supprimé, c'est parce qu'on a rajouté le lam. Le lam, je vais vous dire à quoi ça correspond. Le lam, lorsque on le rajoute à un verbe, il a plusieurs fonctions, mais ce que je vous demande de retenir, et c'est ce qui se fait, je pense, dans la plupart des cas, c'est pour le lam traduit le but, l'objectif. Donc, li plus un verbe, ça va faire pour faire ce verbe. Pour manger, pour aller, pour dormir, pour sortir, d'accord? Donc, li ya'buduhu. Li ya'budu. Alors, et le verbe ya'buduna, à la base c'était ya'buduna. Lorsqu'on lui a rentré le lam, le nun a sauté. On parle de le jazm. Le verbe, je vous rappelle le verbe. Je reviens à l'infinitif, c'est le verbe abada ya'budu. Donc je vous rappelle chaque fois que l'infinitif, donc c'est la troisième personne passé composé et après le présent. Abada ya'budu, qui veut dire adorer. Adorer, donc faire un culte, faire des actes de soumission. D'accord. Abada ya'budu.
comment faire ism al-fa'il de ce verbe? C'est un verbe à trois lettres. Ism al-fa'il se met sous la forme de fa'ilun. Donc ici, abidun. Abidun, c'est quoi abidun? C'est un adorateur. Et ism al-maf'oul sous la forme de maf'oulun. Ma'boudun. Ma'boud, c'est quoi? C'est la chose ou celui qui est adoré. Abidun. Ma'boudun. Liya'boudouna. Sans qu'on parle du ha. Liya'boudouna, ça veut dire quoi? Liya'boudouna. Le nun, on a dit qu'on va le faire sauter parce que dès que le lam rentre sur le verbe, le nun saute. C'est le jazm, c'est automatique, c'est comme ça, c'est une règle en arabe. Liya'boudou, c'est pour qu'elle adore, pour qu'ils adorent. Pour qu'ils adorent. Et après le hu qu'on a rajouté à la fin, c'est un damir et c'est pour remplacer le COD. Donc au total, ce liya'buduhu, ça veut dire pour qu'il l'adore. Pour qu'il l'adore. Khalaqa Allahu an-nasa liya'buduhu. Allah a créé les gens pour qu'il l'adore. Alors, pour être sûr que vous avez bien compris cette histoire, on va sortir du texte et on va faire un exemple. On va prendre la phrase suivante. Khalaqa الله الناس خلق الله الناس. Cette phrase, donc vous savez un peu ce que ça veut dire. Allah a créé les gens. Vous savez le son arabe. Arabe. Donc je ne vais pas revenir à chaque fois sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais l'arabe, c'est le fait de dire quel est le rôle de chaque mot dans la phrase. Et ça, c'est lié à la terminaison de chaque mot. خلق donc c'est fi'al madi, الله c'est le fa'il, faiseur, et il est marfou' obligatoirement. الناس c'est maf'oul bih, mansoub c'est celui qui subit, et il est mansoub, il se termine par une fatha. Maintenant, si on veut cacher le faiseur dans une phrase, si on veut dire que quelqu'un a fait, ça veut dire on veut pas dire, on va pas identifier la personne qui a fait le verbe. Il suffit simplement de retirer le sujet. Ici, c'est Allah. Donc, on va dire quoi? On va supprimer. On va dire « خَلَقَ النَّاسَ ». « خَلَقَ النَّاسَ ». Et en termes de traduction, ça va se traduire par « Il a crié les gens ». « Il a crié les gens ». Là, on a juste remplacé par « il » parce que le sujet est absent. Donc, pour cacher le faiseur, on le supprime simplement de la phrase. Maintenant, deuxième étape, on veut cacher celui qui subit. On veut cacher le maf'oul bih. Là, pour cacher le maf'oul bih, on ne peut pas le supprimer comme ça. Obligatoirement, pour cacher le maf'oul bih, on doit le remplacer par un damir. Un damir, je vous demande de vous reporter au cours numéro 4. C'est dans ce cours là que j'ai traité les damirs. Mais c'est des substantifs, c'est des possessifs qui viennent remplacer un mot. Pour pas qu'on fasse de la répétition dans une phrase, je viens prendre un damir et je vais voir la nature de ce mot, de ce COD. S'il est singulier, masculin, féminin, pluriel, suivant son genre et son nombre, je choisis le bon damir et je le supprime de la phrase, le COD, et je viens coller un damir à ce verbe. Ici, nas, c'est les gens. C'est un mot qui est pluriel. Pluriel masculin. Je vais voir dans la liste des damirs. Donc, c'est PM. Qu'il faut que je prenne pluriel masculin, donc c'est whom que je vais venir coller au verbe et je supprime un nas, ça va donner khalaqahum
Allah, khalaqahum Allah. Khalaqahum Allah. Le faiseur, je le laisse. Je le laisse. Et je COD, je le supprime. Et par contre, je rajoute un damir que je viens coller au verbe. Une autre phase ou une autre étape, troisième étape, ça serait de cacher le COD et de cacher le faiseur. Et là, il suffit simplement de supprimer aussi le faiseur. Donc il restera que khalaqahum. Khalaqahum. Et là, ça va faire il les a créés. Khalaqahum. Il les a créés. Donc ce verbe là, ce verbe plus un damir, ça fait office d'une phrase verbale qui contient le fi'al, le fa'il qui est absent, et le maf'oul bih aussi qui est absent. Khalaqahum. D'accord? Donc je rappelle ce que je viens de dire. Pour cacher le faiseur dans une phrase, pour cacher le fa'il, il suffit simplement de le supprimer. Il va être remplacé automatiquement lors de la traduction par un pronom personnel. Et pour cacher le maf'oul bih, celui qui subit, il faudra que je choisisse, que je regarde ce COD là, sa nature, en genre, en nombre, et que je choisisse le bon damir en fonction, et je supprime le COD, et je viens coller un damir au verbe. Au verbe. Et après, khalaqahum, Allahu, et Allah les a créés. Exercice d'application. Si je prends la phrase suivante, Kataba al-muallimu ad-darsa, c'est une phrase qu'on a déjà vue. Le prof a écrit le cours. Première question, c'est cacher le faiseur. Et deuxième question, c'est cacher celui qui subit, le maf'oul bih. Donc, arrêtez la vidéo, faites l'exercice. Et donc, moi, je vais faire la correction. Alors, Kataba al-muallimu ad-darsa. Al-fa'il, il est où le fa'il déjà? Le fa'il, c'est ad-darsa ou le muallimu? Le faiseur. Al-fa'il est toujours marfoua. C'est le muallimu. C'est le prof qui a fait, qui écrit le cours. Pour supprimer ou pour cacher le faiseur, il suffit de le supprimer. C'est ce qu'on avait dit. Donc, je l'enlève et la phrase devient Kataba ad-darsa. Kataba ad-darsa. Et la traduction, au lieu de dire le prof a écrit le cours, je vais dire il a écrit le cours. Je remplace le prof par un pronom personnel. Deuxième question, cacher celui qui subit. On avait dit que pour cacher celui qui subit, on ne peut pas le supprimer comme le faiseur. Et c'est tout. Non, on doit le remplacer par un damir. Pour ça, il faut qu'on regarde la nature, le genre et le nombre de ce mot. Et après, se reporter à la liste des damirs, choisir le bon damir. Et après, venir prendre ce damir-là et le couler au verbe. Si je regarde la liste des déclinaisons qu'on avait fait à l'époque pour le mot livre, je regarde et je choisis donc un masculin singulier de quelqu'un qui est absent. Donc c'est le damir qui correspond à son livre, c'est-à-dire c'est un hu qu'on va rajouter. Et donc je prends le verbe kataba et après je lui colle hu, ça va donner katabahu. Ça veut dire quoi katabahu? Il l'a écrit. Après, si je veux rajouter le faiseur, je peux le rajouter et dire katabahu al-muallimu. Mais bon, katabahu, ça suffit. Là, on a caché le faiseur et on a remplacé celui qui subit. Katabahu. Il l'a écrit. On continue. Khalaqa Allahu an-nasa liya'buduhu wahdahu la sharika lah. Wahdahu la sharika lah. Wahdahu. Wahdahu, on le traduit par uniquement lui. Il y a wahd, après il y a lehu. Lehu, c'est en fait, ça fait partie des damir qu'on a vu. Damir qu'on accroche à un mot pour dire que c'est à moi, à toi, à lui. Donc, si on dit wahdahu, c'est uniquement lui. Si on dit wahdaka, uniquement toi. Si on dit wahdana, uniquement nous, et ainsi de suite. Donc vous rajoutez
Donc les damaïr qu'on a vu donc dans le lorsqu'on avait fait la déclinaison du mot kitab, et donc ça fait uniquement moi, uniquement toi, et ainsi de suite. La ça veut dire quoi? La c'est pour nafi, pour la négation, pour dire non. Ça se traduit en fait de différentes manières suivant le contexte. La c'est non. Charik, charik, c'est un associé. Charik, c'est un associé. Ça vient du verbe charaka et ashroku. Charaka et ashroku, c'est un verbe à trois lettres qu'on peut traduire par associer quelque chose, partager quelque chose. Je vais vous expliquer un autre point qui est important aussi, c'est que charik, c'est sous la forme ou sous le calibre de quoi? Est-ce que vous vous rappelez de cette notion de forme, de calibre? On avait dit que pour les verbes à trois lettres, ism al-fa'il, le nom du faiseur, se met sous la forme fa'ilun. Fa'ilun, c'est un calibre. Ça veut dire que tous les verbes à trois lettres, ils se mettront sous cette forme-là. Fa, le fa, c'est la première lettre, va être prolongé. Fa, le ayn, c'est la deuxième lettre, va être cassé. Le lam, c'est la troisième lettre. Fa'ilun, donc c'est un calibre. Et là, fa'il, c'est un autre calibre. Et c'est également un calibre du nom du faiseur. C'est un nom de faiseur. Chaque fois que vous trouvez un mot qui est sous ce calibre, ben c'est un nom de faiseur également. Sauf que la différence entre ce nom de faiseur et l'autre, c'est que l'autre, il existe pour tous les verbes. Celui-là, en fait, on le trouve que pour certains verbes. Et donc, il ne faut pas essayer de le construire chaque fois que vous avez un verbe à trois lettres, essayer de construire la forme fa'il. Parce que parfois, ça n'existe pas. Ça va, vous allez tomber sur un mot qui n'a pas de sens. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque fois que vous voyez un mot sous cette forme-là, fa'il, comme charik, jamil, khabir, halim, donc ça, c'est des noms de faiseurs. Et voilà, donc ça traduit en fait une forme un peu plus excessive dans le fait de faire le verbe. C'est une forme un peu plus excessive. Je vais vous expliquer ça sur un autre exemple. Alors l'exemple, c'est le verbe rahima yarhamu. Rahima yarhamu. Qui veut dire en fait, c'est faire miséricorde. Rahima, c'est le passé composé, troisième personne. Et après yarhamu, c'est le présent. Rahima yarhamu. Alors, comment construire ism al-fa'il, mais sous la forme de fa'il? Donc on va faire fa'il, donc rahim. Rahim, c'est une forme que vous connaissez. Rahim, donc c'est quelqu'un qui est miséricordieux. Et en fait, il y a une excessivité de miséricorde. Parce que c'est une forme excessive. C'est pas la forme fa'il. La forme fa'il, ce serait rahim. Non, rahim, c'est une forme excessive. Ça veut dire excessif dans le fait de faire le verbe. C'est-à-dire, c'est une miséricordieux, très miséricordieux. Et pareil, la forme rahman, c'est sous la forme de fou'lan. C'est pareil, c'est une autre forme de ism fa'il qui est excessif. Voilà pour ce point. Je continue. Donc on avait dit la charika lahu. Lahu, ça veut dire quoi lahu? Lahu, on l'a déjà vu dans le cours numéro 4. Le lam, c'est la propriété. Et après, si on rajoute les dhamaïr derrière, ça veut dire que c'est à moi, à toi, à lui, d'accord, à elle. Donc là, on a lahu. Lahu, c'est à lui. Alors, si je récapitule, donc wahdahu, c'est uniquement lui. La, son, sharika, associé, lahu, à lui. Donc uniquement lui, sans lui faire d'associé. Si on essaie de le faire un peu plus joli, uniquement lui, sans lui faire d'associé. Et si je retraduis toute la phrase, khalaqallahu an-nasa liya'buduhu wahdahu la sharika lah. Allah a créé les gens pour qu'ils l'adorent uniquement, sans lui faire d'associé. C'est un essai de traduction de ma part.
Par manque de temps, je ne vais pas faire une analyse détaillée de ce qui reste de ce texte. Je vais faire une analyse rapide. Wa arsala. Le waw c'est e, et en français. Arsala c'est un verbe. C'est le verbe envoyer. Arsala yorsilo au présent. Ilayhim c'est composé de ila. Ila qui veut dire vers. Ila al-masjid vers la mosquée. Ila sour vers le souk. Ila al-madrasa vers l'école. Et après si on rajoute des damir. Donc c'est pour cacher le lieu vers lequel on y va. Donc ilayhim, le him c'est eux. Donc wa arsala ilayhim, il a envoyé vers eux. Quoi? Derrière, il y a un COD du verbe arsala. Al-anbiya'a, l'anbiya', c'est les prophètes. Wa et rusula. Ar-rusul, c'est les messagers. Yad'ounahum, c'est un verbe. Donc qui est à la troisième personne plurielle, il y a le ya, il y a le waou du pluriel, il y a le hum dont on a parlé tout à l'heure, donc les invitants, donc invitant les gens, nes, nes c'est hum, yad'ounahum, les invitants, et là, vers quoi? Al-iman, la croyance, wa, et, et, at-tawhid, l'unicité, wa, et, al-akhlaq, الطيبة les bons comportements wa et al-anbiya ou les prophètes wa et ar-rusulu les messagers kathiruna adjectif sont nombreux wa et minhum min ça veut dire une partie de quelque chose min de min on le traduit par de minhum donc c'est parmi eux. Minhum, donc minhum Ibrahim. Ibrahim, ça fait partie de. Donc Ibrahim, c'est une partie de d'un tout de ce hum. Et ce hum, ça revient sur l'anbiya et le rasoul. Wal-anbiya wal-rasoul kathirun wa minhum Ibrahim alayhi salam. Je suis désolé parce que j'ai pas beaucoup de temps pour donc détailler toute l'analyse. Et aussi, j'estime que pour le moment, ces cours que je fais, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence sur ces cours. Et les premiers cours, il y en a, enfin, y a plus de vues sur les premiers cours. Après, les gens en général, ils lâchent prise et ils vont pas plus loin parce que voilà. Donc, je dirais que les gens, ils ont pas beaucoup de motivation pour aller jusqu'au bout. Et voilà. Donc, pour le moment, je pense que je vais peut-être arrêter sur ce cours. Je continuerai plus tard, Inch'Allah, si jamais je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils veulent apprendre plus. Mais néanmoins, je pense avoir atteint l'objectif que j'ai fixé au début. Vous pouvez toujours revenir sur le premier cours pour voir, pour réécouter l'objectif que j'avais déclaré. C'était de vous apprendre la structure d'un texte en arabe. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous ai montré donc ce que c'est qu'une phrase verbale, ce que c'est qu'une phrase nominale et comment arriver à distinguer donc la phrase nominale et la phrase verbale. Je vous ai expliqué ce que c'est que l'i'rab, qui est très 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 important. Donc là, je pense que vous avez les outils. Certes, il manque encore un peu plus de pratique, un peu plus d'analyse, comme ce que je viens de faire sur ce texte-là. Mais voilà, déjà, si vous mettez déjà à apprendre tout l'ensemble de ces règles-là, bah, ça viendra peut-être un jour. Vous trouverez quelqu'un pour vous épauler, pour aller vers l'avant. En tout cas, je pense que c'est un bon début pour comprendre la structure des phrases en arabe. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين